que ça va pour vous et que vous gardez toujours votre paix intérieure. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens abonnés, aux nouveaux membres. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, je réponds en fait à une question, ou plutôt une interrogation de quelqu'un qui porte le nom de Carabistouille, alors que je salue ici. C'est sympa votre pseudo d'ailleurs. Bon, alors je trouve que c'est une question très intéressante que Carabistouille m'a posée. Il ou elle me demande, alors oui, je ne sais pas si c'est un il ou un elle, excusez-moi. Hein. Donc, Carabistouille me demande, pourquoi est-ce que personne ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de soulèvement général? Pourquoi est-ce que les gens acceptent tout? Alors, accepter quoi? Ben, accepter que le gouv maltraite sa population depuis des années, qu'il y ait toujours plus d'agressions et qu'on ne réagisse pas, enfin, que les gens ne réagissent pas, qu'il y ait toujours une vie qui est de plus en plus difficile au niveau de la cherté. Et là aussi, il n'y a pas d'explosion populaire. Enfin bref, on pourrait vraiment faire une liste, et je ne parle même pas des gens qui ne peuvent pas avoir les soins et qui décèdent sur les brancards en attendant que quelqu'un s'occupe d'eux. Enfin, encore une fois, la liste serait très, 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 très longue. Il y a suffisamment de motifs de descendre par millions dans la rue, et là, j'insiste, hein. Il ne s'agit pas de faire des manifestations comme pour les retraites, où je crois qu'il y avait 800 000 personnes, il me semble, hein, de mémoire. Hein. Mais il n'y avait pas des millions, là aussi. Mais là, il ne s'agit pas de retraite, il s'agit de vraiment de faire, de faire valoir ses droits, quoi. Les droits ne sont plus respectés, on a bien vu aussi au niveau des élections. Bah, bon, qu'est-ce que ça change? Rien. Alors que les gens voulaient un changement. Ça, c'était facile de comprendre le message. Mais il n'y a rien qui se passe. Les politiciens continuent à s'engraisser allègrement et les gens continuent de souffrir. Alors, pourquoi? Ben, on va regarder. Donc, on va demander pourquoi la population ne descend pas par millions dans les rues. Et puis, la Carabistouille me demandait aussi que fait l'armée. Alors, il s'agit quand même de deux catégories de populations différentes. Hein. Donc, on va déjà demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des millions dans les rues. Et moi, je pense que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, pour les plus jeunes, ne se seraient pas laissés faire, franchement. Hein. Bon, enfin bref. Alors, oui, comme vous le voyez, il y a du soleil aujourd'hui. Alors, voilà, vous ne voudriez pas avoir de reflet. Alors, pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue par millions? Qu'est-ce qui les empêche d'agir? Alors, on a le 36e dessous. Je vous prends mon oracle, hein, puis après on verra si on change. Et là, on a un match nul. Oui, ce sont des nouvelles cartes. Vous savez que j'ai toujours des idées. Alors, 36e dessous et match nul. Donc, 36e dessous, on peut y voir la population qui, effectivement, est au 36e dessous. Vous connaissez, bien sûr, la signification. Donc, les gens n'ont plus le moral. Et match par KO, ça c'est un match nul. Donc il n'y a pas de gagnant. Bon, alors est-ce que ça veut dire que les gens s'imaginent qu'il n'y aura pas de gagnant? Donc ça ne servirait à rien, quoi. C'est un combat match nul. Mais peut-être, on va aller voir pourquoi j'ai cette carte-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la population, là, elle est déprimée. Hein. Bon. Donc ça, ça paraît logique. Ok. Mais on va poser la question dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui empêche la population de s'unir pour défendre ses droits et de descendre par millions dans les rues, alors, en même temps, hein, tant qu'à faire, pour réclamer eh bien, que ses droits soient respectés? Et il y a toute une liste comme ça, hein, facile. Hein. Donc, je ne vais pas vous faire la liste, hein, vous, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne... Attendez, faut que je prenne la question positivement. Qu'est-ce qui empêche les gens de descendre par millions dans les rues pour protester contre le traitement subi depuis des années, à tous les niveaux? Alors, j'ai confirmation. J'ai l'argent. Ah oui, d'accord. Oui, ça, ça peut être... Ah oui, d'accord. C'est marrant, j'ai des questions d'argent. Bon. Alors, cette carte-là est très parlante. Ici, c'est une résistance qu'on écrase. Les petites fourmis, ce ne sont pas des insectes nuisibles. Ce sont des insectes, hein. Ouais. Non, mais je fais attention à ce que je dis, parce que sinon, on va encore m'allumer dans les commentaires. Bon, enfin bref. Donc, ce ne sont pas des animaux nuisibles, les petites fourmis. Au contraire, ce sont des animaux industrieux. Moi, j'aime bien les fourmis. Hein. Chacun travaille tout le temps, chacun sait ce qu'il a à faire. Enfin bref, de façon besogneuse, voilà. Ce sont des gens qui travaillent, voilà, toute la journée, des petites fourmis. Et donc là, on écrase les petites fourmis. Bon, alors ça peut être évidemment la population. Alors, qui est encadrée
par deux fois l'argent. Donc, il y a des questions financières, l'argent qui disparaît, les questions d'argent. Bon, alors, il y a des questions financières, premièrement. Alors, on va explorer qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des questions financières. Est-ce que c'est parce que les gens ont encore suffisamment d'argent ou bien est-ce que c'est parce que les gens ont peur de perdre leur argent si ils descendent par million dans la rue? La question, c'était qu'est-ce qui empêche les gens de descendre par million dans les rues pour faire valoir les droits de respect, hein, à tout niveau, hein, respect des droits du citoyen. Alors, la clarté, la transparence, la machine infernale, la réconciliation, les rivalités. Alors, la réconciliation, c'est un peu quand les gens, justement, se retrouvent ou se réconcilient, oui. Donc, ça peut montrer effectivement ici une union entre deux parties en présence. Et là, ah pardon, je vous ai mis la carte à l'envers, on a des rivalités. Je vais mettre des grandes cartes. Bon, il y a vraiment des questions financières. Bon, les rivalités, c'est effectivement hein, deux camps en présence. On peut voir la population de Gouffre, par exemple. On va regarder ce qu'on peut nous dire. Je ne vais pas mettre des cartes, ou plutôt des mots sur toutes les cartes, mais par exemple, ici, là, là, et là. Qu'est-ce qui empêche les gens de descendre dans la rue? Attirance, oui. Ok, pour l'instant, ça ne m'aide pas davantage. Nouveau. Oui, et ici, peur. Bon, peur, ça va bien. Hein. Là, la peur, effectivement, elle est correcte. Enfin, je veux dire, au niveau de du mot. Il y a une peur de se faire écraser. Ok. On va quand même mettre une carte sur l'histoire de réconciliation ici. C'est se retrouver, se réconcilier. Hein. Protection. Peur et protection, oui. Alors on peut y voir, pourquoi pas ici aussi, le fait d'avoir peur pour ses proches. Alors moi, je ne mets pas de mots sur mon oracle, comme vous l'avez remarqué. Alors je sais que ça pose problème à des personnes, mais quand vous faites de la cartomancie ou de la voyance, comme vous voulez, il faut aussi laisser cours à son intuition et je ne veux pas limiter l'intuition en mettant des mots. Donc cette carte-là, c'est vrai que c'est la carte de la réconciliation, mais pourquoi pas? On peut y voir aussi quelqu'un, un homme ici, qui a souci de protéger ses proches. Hein? Du moins, en tout cas, sa conjointe. Et pourquoi pas, on peut penser qu'il y a des enfants dans ce couple-là. Voyez? Donc peur et protection. Donc moi, j'y verrais bien la peur de se faire écraser et la protection par rapport aux familles. Donc les gens finalement qui ne descendent pas dans la rue par million, ou les gens qui ne descendraient pas dans la rue par million, seraient par peur de se faire écraser et dans un souci de protection, de protéger les familles. C'est-à-dire peur qu'il arrive finalement quelque chose contre les familles ou qui pourquoi pas des représailles contre les familles. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder par là. J'ai nouveau, quelque chose de nouveau concernant l'argent. Et ici, on a la carte des rivalités. Croire. Bon, alors là, il y a comme un espoir. Il y a comme un espoir, un nouvel espoir. Pourquoi pas un nouveau nouvel, hein. Nouvel espoir de croire. Alors, de croire quoi? On ira explorer par là après. De croire quoi? De croire qu'il y aurait une opposition. C'est la rivalité, l'opposition. Qu'il y aurait une nouvelle opposition qui pourrait arriver. On va voir. Oui, tout à fait. Ça, c'est ma carte de libération. Vous voyez, la personne se libère de ses chaînes. C'est-à-dire que non seulement les gens ont peur de sortir dans la rue pour des soucis de protection des familles, mais il y a aussi toujours un espoir de croire que quelqu'un va venir les libérer de leurs chaînes. Alors, vous savez, cette carte-là, moi, ça m'a fait penser aux US, puisque c'est le dollar, enfin, je n'ai pas fait exprès hein, quand je fais la carte, se libérer finalement de l'emprise des US, parce qu'on sait très très bien que l'Europe est assujettie à l'Ouest, hein, ça je vous apprends rien. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un nouvel espoir de croire qu'on va s'en sortir et quitter finalement l'emprise des US sur l'Europe, donc sur la France, et avoir quelqu'un qui va pouvoir s'opposer à ce système européen, américain, vous avez compris,
et qui va venir en fait libérer les gens de leurs chaînes. Donc il y a vraiment deux choses ici. Je ne pensais pas tomber là-dessus, mais il y a toujours les gens qui attendent quelqu'un qui va venir les sauver. En tout cas, moi, la carte, elle est très parlante ici, hein. Donc, nouvel espoir de croire que quelqu'un va pouvoir s'opposer à l'hégémonie américaine, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, qui va les faire sortir de l'Europe, hein, et qui va les libérer de leur chaîne. Donc, en fait, oui, c'est intéressant parce que, vous voyez, moi-même, je ne pensais pas que j'allais tomber sur des cartes comme ça. Courage, voilà. Quelqu'un qui aura le courage. Donc, en fait, ce qui manque, ce que les gens attendent, c'est un leader. C'est vraiment ça, un chef, un leader. Quelqu'un qui rassemble les foules, un peu comme le général de Gaulle. C'est ce que le général de Gaulle avait fait. Enfin, je veux dire, c'est vrai que depuis de Gaulle, ben, on n'a pas vraiment de vrais leaders qui galvanisent les foules, qui leur dit il faut résister à l'ennemi, etc. Mais c'est vraiment de ça dont il est question, hein. Donc quelqu'un qui finalement porte le flambeau des valeurs françaises et qui permet de galvaniser les foules, hein. Il nous manque un leader, il manque aux gens un leader et les gens l'attendent. Et c'est vrai que une personne, on va dire, idéale, eh bien, serait parfaite pour rassembler une population qui est drôlement fracturée quand même, hein. Bon, ok, donc on a déjà ici deux informations intéressantes. D'abord, la peur qui empêche d'agir parce que les gens ils ont peur d'être écrasés. Et c'est vrai que si vous regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en 2018, hein, 2018-2019 je crois, hein, eh bien ils ont vraiment été maltraités ces gens-là dans l'indifférence générale, j'ai envie de dire. Dans l'indifférence générale. Bon. Donc personne n'a envie de perdre un œil ou de perdre une main. Ah ben c'est ce qu'on prend, hein. Et je vous rappelle aussi que quand il y a eu des manifestations, c'était pour les retraites, bah les gens, en fait, complètement innocents qui manifestaient pacifiquement ont été gazés et nassés. Et dedans, il y avait des femmes et des enfants. Je vous rappelle, hein, à tout hasard quand même. Donc il y a quand même une peur. Et donc le souci de protéger les gens qui sont chers. Voilà. Donc de prendre soin de sa famille. D'accord. On a deux informations intéressantes. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ici, on a quelque chose par rapport à l'argent. Donc c'est pareil, on va aller mettre des mots. La joie d'avoir encore de l'argent, peut-être. Ouais. Les gens, pour l'instant, même s'ils ont beaucoup de difficultés, il y a quand même toujours l'argent qui est là. Apparemment suffisamment. Mais là, on nous dit que la vérité, en vérité, c'est que la machine infernale ne s'arrêtera pas parce que c'est une machine infernale. Ça, c'est ma carte, hein. C'est une machine qui va finir par exploser, qu'on ne peut plus arrêter. Donc pour l'instant, les gens sont encore dans la joie, entre guillemets, hein. En tout cas, ils ont encore suffisamment d'argent. Mais on nous dit que la vérité, c'est que les choses vont s'envenimer au niveau économique. Alors ici, on va regarder encore ce qu'on peut mettre sur la carte de la transparence ou de la pureté. Perversité. Attirance pour la perversité. Oui. Alors là, il me manque encore une carte, là, parce que ces deux cartes-là sont antinomiques, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? La colère. Ah oui. Bon, la colère, ça me parle. Hein. Oui. Bon, les gens sont vraiment en colère quand même. Hein. Vouloir. Bon. Alors, c'est marrant parce que, effectivement, les gens, quand même, sont en colère et veulent changer des choses. Hein. Oui. Alors, en fait, ce que les gens veulent, ils veulent la transparence. C'est la carte de la pureté. La transparence, la pureté, la vérité, toutes les belles valeurs. Mais tout ceci est perverti. Voyez? C'est-à-dire que là, nos gouvernants sont quand même attirés par la perversité, alors qu'en fait, ils devraient défendre des belles valeurs, des valeurs de morale, notamment des valeurs de justice. Voyez? Et c'est vrai que les gens veulent changer tout ça. Donc il y a vraiment une volonté, oui, les gens sont vraiment en rogne, en colère, ils n'en peuvent plus. Mais pour les deux raisons que je vous ai expliquées, eh bien, pour l'instant, ils ne bougent pas. Et puis, il y a encore suffisamment d'argent. Donc, on va aller regarder par là, peut-être, si vous voulez. On va explorer un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'argent et sur les billets de banque? Alors, les murs ont des oreilles. Bon, il y a de l'espionnage, comme d'habitude. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les oreilles? Alors, on écoute ou on entend, on écoute quelque chose qui va être mis en route. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres infos. On va regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la joie et l'argent? Une décision qui va conduire à une séparation. Je n'ai toujours pas le fin mot de l'histoire.
Et on attend de voir quelque chose. Bon, il y a des histoires d'attente, de mettre un projet en route là. Une décision qui conduit à un chemin, un nouveau chemin à prendre en vue. Et on écoute ou on entend quelque chose que l'on attend ou que l'on entend. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai toujours pas ouais, la perte financière, d'accord. Oui, là, par contre, j'ai le fin mot de l'histoire. La perte financière. Bon, alors là, on nous dit que la joie d'avoir encore suffisamment d'argent à la fin du mois, hein, eh bien, en vérité, la machine infernale ne s'arrêtera pas. Et là, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose en vue. Alors, pas encore là, mais c'est sur les rails, hein. La perte financière, c'est en route. Alors pourquoi j'ai les oreilles? Ben moi je dirais qu'on entend, on entend des bruits, hein, pourquoi pas. On entend des bruits de pertes financières et c'est vrai. Bah oui, puisque tout le monde parle d'un crack des banques, faillite des banques, crack boursier. Donc là on nous dit quand même que oui, ça va arriver. Donc la joie d'avoir encore de l'argent, bah en vérité, non, ça s'arrêtera à un moment donné. On peut remettre une carte dessus, c'est la plus importante, c'est évidemment celle-ci, la perte du porte-monnaie, hein. Alors, je ne sais pas s'il s'agit, enfin, je ne sais pas. Disons qu'il y a deux hypothèses. C'est soit c'est vraiment la perte financière, c'est-à-dire les impôts, l'inflation, ou soit c'est la perte du portefeuille avec le cash, et ce serait plutôt le numérique. Mais il y a quelque chose ici qui arrive. Séduction, beauté. Bon, bah moi, je pense que ça veut dire qu'on va plutôt nous séduire avec les histoires de portefeuille numérique, là. On va regarder. Oui, bah oui, regardez, j'ai les ondes. Bon, bah les ondes, c'est tout ce qui est en relation avec la dématérialisation, hein, bon, le smartphone, donc quand on paye par exemple avec son smartphone, donc c'est vraiment ça. Voyez? Donc il va bien y avoir aussi quelque chose. Donc on nous dit que la joie finalement d'avoir encore un peu d'argent en cash, eh bien tout ça, ça va changer. Alors là, on va vers l'inconnu, oui, effectivement. Ouais. Un nouveau chemin qui se dessine. Donc c'est la dématérialisation. Ah, pardon, dématérialisation du portefeuille. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui fait que et ça va changer la donne quand même. Hein. Ben oui, parce que là, quelqu'un d'autre va pouvoir avoir le pouvoir sur votre argent. Tout simplement. On va quand même remettre encore une carte. Voilà, alors ça c'est une torsade, hein. C'est-à-dire que là c'est un escalier en colimaçon, donc c'est quelque chose qui n'est pas clair. Une torsade, c'est une torsade, hein. Bon, c'est une entourloupe quoi. Oui, et là on a les histoires de, effectivement, de réseaux ou de choses avec des hackers. Voilà, alors on nous dit qu'en plus, ces histoires de portefeuille numérique, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger que vos données, en plus, tombent entre de mauvaises mains, voyez. Donc, c'est vraiment une illusion, une illusion, mais négative, quoi. On va remettre encore une carte ici. Quelque chose, vraiment, qui serait très, 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 très mauvais. Voilà, voyez, vous avez la carte du risque. Bon, ben voilà, mon jeu me répond bien ce matin. Le risque que cela entraîne. Eh bien, alors, illusion, c'est aussi quelque chose qui est immatériel, hein, le risque que cela entraîne finalement vers un grand danger, notamment le danger que votre portefeuille tombe entre les mains de mauvaises personnes, quoi, et disparaisse. Hein. Donc, il y a des choses intéressantes. Donc, en fait, on a vraiment ici une volonté de vouloir changer les choses, et il y a beaucoup de colère. Bon, simplement, les gens, comme je vous l'ai dit, ils ont peur pour les proches. Ils ont peur que, eh bien, il y ait des choses très négatives pour les proches, hein, que les proches soient écrasés. Et les gens croient toujours que quelque chose, un leader nouveau va arriver, qui aura du courage de briser leur chaîne. Hein. Bon, voilà où on en est. OK? Alors, est-ce que vous voulez me dire, oui, alors, on m'a dit, est-ce qu'on va avoir un nouveau chef, un leader, un bon leader? Ben, c'est pas ce que je vois, moi. Mais bon, on va quand même poser la question. Donc on va pousser ces cartes-là, si vous voulez bien. On va les laisser. On va quand même les laisser, mais on va pas les reprendre. Alors, est-ce que la France pourrait être libérée par un bon leader? Parce que je sens qu'on va me poser la question, donc autant y aller. Voilà.
Bon, alors là, on nous dit que ça va passer par les, quand même, les montagnes russes. Les discussions, bon, ça bouge pas beaucoup. Alors, il peut y avoir des gens qui font du blabla, oui. Bon, on en connaît, hein, je ne vais pas donner de nom. Mais oui, il y a des politiciens qui font du blabla, voilà. Bon. Mais bon, ça reste dans les discussions populaires, quoi. Par contre, il y a bien vraiment les gens qui vont passer, voilà, comme ça. Donc, le bon leader, ben, moi, je ne le sors pas. Les feux d'artifice, oui. Pour l'instant, je ne vois pas quelqu'un arriver. Hein. Non. Pour l'instant, je ne vois pas quelqu'un arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on aura un bon leader en France? Non. Par contre, vous voyez que le feu d'artifice et l'éclair de foudre me dit que ça va devenir explosif, oui. Notamment pour les petits artisans. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui travaille le bois. Donc, les petits commerçants, les gens qui sont à leur compte, les petits métiers, quoi. Là, ça va devenir explosif. Pour l'instant, je ne vois pas l'arrivée d'un bon leader. Mais on va encore reposer la question. Non, la situation va devenir de plus en plus instable. Voilà. Et de toute façon, les politiciens, bah, voilà, ils seront exactement comme ça. Ils sont, pff, ouais, bof. Non, pour l'instant, je vois pas. Bon, je vois pas un bon leader arriver. Non, je vais reprendre mon jeu, je vais mettre tout ça en ordre et puis on va regarder pourquoi l'armée ne bouge pas. Parce que c'était en fait la seconde partie de la question. Voilà, alors on va demander pourquoi est-ce que l'armée ne se met pas du côté du peuple, hein, parce que quand même, ils sont pas aveugles. Hein. Ils voient bien ce qui se passe. Il y a eu effectivement, à un moment donné, c'était quoi la lettre des patriotes ou je sais plus quoi. Et puis voilà, c'en est resté là. Bon. Il y a toujours des voix qui s'élèvent de ci, de là pour protester, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. On est d'accord. Hein. Pourtant, c'est vrai que si l'armée agissait, eh bien, la situation serait réglée, quoi. Alors, je crois, hein, en tout cas, ça ferait bouger les choses. Alors, pourquoi l'armée ne bouge-t-elle pas? Alors là aussi, pareil, qu'est-ce qui empêche l'armée finalement de se mettre du côté des gens? Parce que normalement, ils sont là pour protéger bah, la population. Hein. Alors, encore les oreilles. Décidément, qu'est-ce qu'on a écouté? Bah, ok. Alors là, il y a un tribunal. Oui, c'est aussi une nouvelle carte. J'avais envie de faire une carte de tribunal ou de jugement. Alors, est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est l'espionnage? Il y a une histoire d'espionnage aussi avec cette carte-là. Bon. Il y a quand même quelqu'un qui passe en jugement. Alors, bon, pour l'instant, la coupe ne me dit rien de spécial. Qu'est-ce qui empêche l'armée d'intervenir? J'en dirai pas plus, hein. Ok. Vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui empêche l'armée d'intervenir, de se mettre du côté de la population en souffrance? Les médias, hein, tiens. Oui, oui, oui. Bon, alors ça, c'est une carte que j'avais eu l'idée d'avoir une carte comme ça. Ouais, ça me semblait intéressant. Ça, c'est une victoire à la Pyrrhus. Alors, les plus cultivés d'entre vous comprendront. Une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui fait énormément de victimes. Tellement de victimes que finalement, le jeu n'en veut pas la chandelle. Donc là, si vous voyez que. C'est intéressant parce qu'effectivement, je suis en train de parler de l'armée et là, j'ai cette carte-là où on a énormément de victimes. Donc, est-ce que finalement l'armée a peur de faire plus de victimes qu'autre chose? C'est curieux. Bon, ça, c'est une situation déséquilibrée. Les feux d'artifice et des explosions aussi, et les médias. Alors, c'est pas clair. C'est pas clair. Pourquoi est-ce que. Ou plutôt, qu'est-ce qui empêche l'armée d'intervenir? L'inconnu. Ah, ils ont peut-être. Ouais, ils ont peut-être peur de déclencher quelque chose de terrible. Ouais, on va regarder sur les médias. Partir. Oui. Et là, harcèlement. Et sur les feux d'artifice, qu'est-ce qu'on a? La laideur. Bon, alors, bon, cette carte-là, je la comprends. Ils ont un peu peur. Moi, j'ai l'impression que l'armée a peur de.
Si jamais ils se mettaient du côté du peuple, ils ont peur éventuellement de déclencher une situation où à la fin il y aurait davantage de victimes. Donc ce serait pire qu'avant, quoi. En gros, c'est ça. Ils ont peur d'un bain de sang, quoi. En gros, c'est ça ce que je veux vous dire avec cette carte-là. Donc là, ils ont peur vraiment d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est encore une autre expression, mais c'est un peu ça. Quelque chose qui risquerait de, encore une fois, de faire plus de victimes qu'autre chose. Alors partir vers l'inconnu. Oui. La laideur des explosions, la laideur de quelque chose qui deviendrait très violent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous expliquer davantage? Et là, j'ai aussi partir. Oui. Je vous expliquerai cette carte-là après. Oui. Bon, ok. Alors là, il y a une autre information là. J'ai juste partir, j'ai pas trop la signification. Bon, là, j'ai compris. Là, ils ont peur que ça explose et que ça dégénère. Là, je ne sais pas trop non plus. Par contre, là, oui, je comprends. Là, en fait, l'armée sait très bien qu'on va vers le numérique. Le numérique est dans les starting blocks. Là, on va remettre une carte ici. Donc d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, mais ça les empêche d'agir. Bon, alors ça c'est la carte de l'essai. De l'essai ou d'un test. C'est-à-dire qu'on essaie jusqu'à temps que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà essayé, ça n'a pas fonctionné? Je n'ai pas l'impression parce que je ne peux pas oui dire que... Oups. Ah si, peut-être. Mais vous savez qu'il y a quelque chose quand même ici. C'est marrant. C'est comme s'ils avaient déjà essayé, ça n'avait pas fonctionné. Ou alors c'est comme si en fait ils essayaient de mettre des plans en place et que ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui va pas là au niveau de l'armée. On va regarder pourquoi je vais partir. C'est comme s'ils savaient pas trop comment faire en fait. Attendez, j'en ai pris deux. Alors on va mettre une là, une là. Oui, d'accord. Bon, ça c'est clair. Et là, oui, ok. Bon, il faudrait faire partir tous les mauvais qui gouvernent les médias déjà. Oui, ça c'est pas impossible. Les reptiliens. Alors les reptiliens, bon, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, hein. C'est des gens qui sont mauvais. Vouloir faire partir les reptiliens, notamment les médias. Bon, alors il y a quand même la prise de conscience que tout dépend des médias. C'est vrai. Hein, les médias, c'est vraiment, vraiment un pouvoir, je crois, qui a été sous-estimé par tout le monde, puisque ce sont vraiment eux qui tiennent le monde, quoi. La puissance des médias. Donc là, c'est marrant. Déjà, il y a la victoire à la Pyrrhus, là, ils ont très peur des conséquences, hein, s'ils commencent à partir en guerre. Mais en même temps, il y a aussi le fait que. Ils savent pas trop comment s'y prendre, voyez. On fait plusieurs essais et là on sait pas trop là. Ils savent pas trop comment mettre ça en place. Moi je me demande avec partir et vouloir faire partir les gens qui tiennent les médias, s'il n'y a pas aussi éventuellement des infiltrés au niveau de l'armée là. On va regarder. Bon là il y a les numériques qui leur posent problème pour une raison ou pour une autre. On va essayer de voir pourquoi. Alors là, il y a quelque chose qui les embête au niveau du numérique. Ils ne savent pas trop comment s'en sortir là. Est-ce qu'ils ont un problème à communiquer entre eux? Ou bien est-ce qu'ils sont surveillés au niveau du numérique? Oui, il y a quelque chose. Ouais, je pense qu'ils sont surveillés aussi, il y a de ça. Alors, il y a aussi au niveau du numérique, il faut savoir que ça va s'accentuer de plus en plus, hein. Les histoires de numérique, donc les histoires de surveillance. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont peur de faire des imprudences de ce point de vue-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont surveillés. Parce que là, on voit des gens qui font des imprudences. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils sont surveillés? Est-ce qu'ils ont peur? Oui, surfer sur la vague. Oui, donc. Alors.
Ceci dit, je pense qu'il y en a effectivement dans l'armée qui sont vraiment infiltrés, oui. Mais ceux qui auraient des belles valeurs et qui auraient envie effectivement de faire quelque chose, ceux-là doivent surfer sur la vague. Donc vous voyez, imprudence ici, surfer sur la vague, ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils l'emporteraient d'ailleurs. Hein. On va demander exactement. De quoi ont-ils peur? On va voir si on peut avoir une carte plus explicative. Déjà, moi, je pense qu'ils ont peur aussi que la situation devienne incontrôlable. C'est ça? Ah oui. Bon, ben oui. Puis alors, ils sont tenus. Ah oui, alors ça, c'est curieux. Attendez. Ouais. Ouais. Match nul. Les gens qui se révoltent contre les pédalos, c'est ça, hein. Mais match nul. Donc c'est comme si aussi ils se disaient qu'ils savaient que ça servira à rien, quoi. C'est très curieux. Parce que ces gens-là tiennent tout, notamment les médias. Il faudrait vraiment faire partir des médias, du contrôle des médias, ceux-là qui sont les mêmes d'ailleurs, hein. Les mauvais, là. Donc ils savent qu'ils sont tenus quelque part par les médias ou les merdias, comme vous voulez, et qu'à la fin, ce serait de toute façon un match nul, donc ça servira à rien. Il y a un découragement là dans l'armée. Il y a vraiment un découragement. L'envie de ne pas déclencher un bain de sang, il y a de ça, hein, vraiment. Hein. Savoir pas trop comment faire. On ne sait pas trop comment faire. Là, on essaie d'écrire des plans et puis on efface, on met à la poubelle, on recommence. Il n'y a pas de solution qui est vraiment trouvée pour libérer les gens, pour libérer le peuple. Il y a les histoires de numérique, surfer sur la vague, peur que la situation devienne incontrôlable et devoir faire preuve de prudence. Donc ils se sentent coincés. On va demander, est-ce que. Bon, ça pour l'instant. C'est la liberté, hein. C'est plutôt un vœu pieux, hein, de retrouver la liberté, mais qui pour l'instant n'est pas réalisé, hein. On va demander quand même le risque. Un risque au niveau de la liberté, ouais. Un risque de tout faire exploser aussi, hein. Alors, on va quand même demander, est-ce qu'ils sont unis entre eux? Parce que moi, je pense qu'il y a des dissensions dans l'armée. Est-ce qu'ils sont unis? Est-ce que toute l'armée est unie? Bon, alors là, ça c'est les retraites, ceux qui sont à la retraite. Ça brasse beaucoup d'eau, oui, bon. Oui, il y a un manque d'union. Hein. Bon, j'ai envie de dire que ceux qui sont à la retraite sont plus touchés émotionnellement que les autres. Ce sont sans doute parce que ce sont des personnes qui ont des valeurs. Hein. Vous savez que la génération, on va dire. Des années, alors je ne sais pas quel âge ils peuvent avoir, 60, 70, c'est les années 40, 40, 50, ouais. Ouais, ces générations-là, on va dire années 50, hein, ces générations-là, donc ils sont en retraite, sont plus secoués émotionnellement. Mais il y a une union là. Attendez. Oui, ben voilà, regardez, en plus c'est la carte de l'union. C'est bien la carte de l'union qui fait la force. Donc en fait, c'est plutôt ceux qui sont en retraite, qui sont plutôt touchés mais émotionnellement et qui sont d'accord que les choses ne vont pas. Oui. Mais ils sont plutôt jeunes non plus. Hein. Ben oui, c'est le problème. Donc c'est plutôt cette catégorie-là qui serait vraiment outrée de ce qui se passe, notamment par rapport à qui vous savez. Voilà, le roi de fer, hein, le Game of Thrones. Donc ce sont ces gens-là. Mais enfin, encore une fois, comme je le dis, ils sont plutôt jeunes, ils sont à la retraite. Vous avez la carte quand même de la retraite. Ils sont isolés aussi. Hein. Ils sont isolés même s'ils partagent les mêmes valeurs. Vous voyez, peut-être qu'ils se rencontrent entre eux d'ailleurs et qu'ils discutent de la situation, comme je vous l'ai dit, mais qu'ils ne savent pas trop comment faire. Vous aviez la carte ici de. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Je ne sais plus. En dessous, là, bon, elle est cachée. Hein. Bah oui, non, elle est là, sous mon imaginaire. Oui, d'accord. La carte ici, où on ne sait pas trop comment faire, on fait des plans sur la comète, un peu. Mais on n'a pas de solution. Bon. Donc, la vieille génération, les générations âgées, oui.
Ils sont d'accord que les choses ne vont pas. Et alors, ceux qui sont en fonction. Oui. Bah, ils sont plutôt marqués par l'ambition, eux. Ouais, bof. Bah, eux, ils sont contents. Ils ont un crédit social. Oui, bon, ils sont un peu achetés, quoi. Crédit social, vous savez ce que c'est, hein? Vous êtes un bon citoyen. Ben, vous avez vos points de retraite, pourquoi pas? Vous avez tous vos points. Les questions de. Ah, les questions de logement aussi. Les questions de projet de logement. Bon, ben, ça, ce sont des gens qui pensent vraiment à leurs avantages. Ouais. Donc, en fait, les gens qui sont en fonction dans l'armée pensent davantage à leurs avantages, justement. Avantages sociaux, avantages de retraite. Cumuler tous ces points pour partir en retraite tranquillement. Donc, bon. Voilà. Bon, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Ça fait déjà 35, 36 minutes. Donc, savoir, est-ce que l'armée se soulèvera? Non. On peut reposer la question, mais moi, c'est non. Je vous ai expliqué en détail pourquoi. Mais on va reposer la question. Est-ce qu'il y aura un soulèvement de l'armée pour libérer le peuple? La loi, la décision, la loi. Une loi qui sépare. Non. Non, parce que la loi, en plus, les empêcherait quelque part. C'est un empêchement, ça. Hein. Un empêchement de se rejoindre, de se rassembler aussi. Hein. Ah, parce qu'il y a des lois. Donc, des ordres, des lois, des décisions. Donc, non. Non. Non, ça provoquerait un crash. Quelque part, ces gens-là, moi, je pense qu'ils ont vraiment réfléchi au problème. Hein. Parmi ceux qui voudraient agir. Vous voyez, parce qu'on voit très bien, c'est intéressant quand même, hein. Séduction, voilà, on essaie de trouver quelque chose, une solution, donc on remet son travail sur l'ouvrage, on écrit, bon alors si on faisait ci, si on faisait ça, et puis tout ça va à la poubelle. Parce que, vous voyez, en fait c'est ma carte qui m'a donné dès le départ la réponse, c'est qu'ils ont peur que les choses soient pires avant, que ça entraîne vraiment un bain de sang. Et qu'à la fin, de toute façon, ça se traduise par un chaos. Voyez. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Vous direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.